Bonjour, chers apprenants. Je m'appelle Rodika Balan-Listiano, je suis professeur titulaire de langue française à la Schoola gymnasiale n 71 et à la Schoola gymnasiale n 150 d'Imbuchuresh. Je vous invite aujourd'hui à une nouvelle leçon de français. Notre cours s'appelle Apprenons le français niveau débutant. Mes invités aujourd'hui sont Patricia et Tudor. Bonjour. Bonjour. Comment ça Bonjour. va Très bien, merci beaucoup. Très, très bien. Excellent. Regardez un peu notre nouvelle leçon. Leçon, la leçon numéro 5. On va réviser un peu. La fois passée, nous avons fait l'article, les règles de prononciation. Et aujourd'hui, on a quelques nouveautés. Les parties du corps humain avoir mal à quand j'avais mon inconfort physique avoir mal à et les cinq sens voilà un petit rappel rappelle-toi l'article qu'est-ce que c'est l'article l'article bien sûr accompagne un nom et indique le genre et le nombre du nom il y a des articles définis et indéfini. Attention pour les débutants. On a seulement deux types. Défini et indéfini. L'article défini, le masculin du singulier c'est le, le féminin du singulier la. On a aussi l'apostrophe quand le nom commence par une voyelle ou un h muet et au pluriel masculin ou féminin, on a la forme les. En ce qui concerne l'article Indéfinie, la forme du masculin singulier, c'est « un », et la forme du féminin du singulier, c'est « une ». Au pluriel, masculin ou féminin, on dit « des ».« Nichte », c'est le pluriel, « un »,« une »,« une »,« au ». Quelques exemples. L'article définit le crayon, « crayonul », la couleur, « couloir », l'hirondelle le hérisson arichul et de pluriel les stylos, stylos orile, les filles, fetele. En ce qui concerne l'article indéfini, quelques exemples. Un crayon, un crayon, une couleur au couloir. une hirondelle au un hérisson, un arich, des stylos, niște stilouri sau simplu stilouri de fi fete sau niște fete. Voilà le règles de prononciation. Le lettres muettes, literele mute care nu se citesc de la finalul cuvântului, le E final, toujours muet. Dacă nu avem accent ascuțit pe E final, nu îl citim niciodată. Toujours muet este întotdeauna mut. On a aussi quelques exceptions, que tu vas exceptionner. d'une syllabe, comme fi, je, le, me, te, se, de, ne. Celles-ci sont deux lettres, ce se prononce dans une seule syllabe. Prononçons ces e final e, exactement dans l'alphabet de La double consonne est lu une, comme une simple consonne. Pp, p, -p, -p »,« mm, ss, s, tt, bien sûr. Simple, le simple T. Le H, toujours muet. On ne le prononce jamais. Nul ni nul Les consonnes finales, muettes aussi. P, D, T, S, X, Z. On a aussi une exception, l'ours. On lit le S final. Les marques du pluriel S ou X. Aussi muette, des amis, des bijoux. La forme euh, du verbe, enfin de verbe bien sûr, ENT, aussi est muette. Quelques combinaisons de lettres ch, f, ng, g, e, o, ou, wa, o. En fin de mot seulement, er et ez. On prononce manger ou vous manger. Les voyelles nasales, aussi quelques exemples. En »,« on, un, c ». Suis par E ou I est prononcé S. On dit cerise ou cinéma. Aussi, on a la cédille. S. Garçon. On prononce garçon. Les diacritiques, ça c'est une nouvelle information. Il y a une nouvelle information en ce qui concerne les accents La fois passée, nous avons connu Vincent, l'accent, nous l'avons dessiné ensemble. L'avons dessiné ensemble par Vincent, l'accent. On a ici l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma et la cédille. En français, on compte. Quatre diacritiques sur les voyelles, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma et une diacritique sur les consonnes. Euh, la cédille, dans ce cas, la cédille sur C. Voilà le tableau, très important à retenir. Une nouvelle information sur les signes de ponctuation. Si vous êtes curieux, enfant ou adulte, on a le point. Le point virgule. La virgule. Le point marque une pause importante. Le point virgule marque une pause intermédiaire. La virgule marque une pause plus courte. Les deux points introduisent une citation, une énumération ou une explication. Le point d'interrogation marque la fin d'une question. Le point d'exclamation. Termine, bien sûr, une, une phrase exclamative. Les points de suspension indiquent qu'une phrase est inachevée. Les guillemets encadrent un dialogue, une citation. Le tiré, ligne des dialogues, le tiré, signale dans un dialogue qu'un nouveau personnage prend la parole. Et finalement, les parenthèses introduisent une indication supplémentaire. C'est facile, n'est-ce pas Oui. Les invités, c'est facile. Oui, bien sûr. Oui, Regardez un peu un exercice de lecture. Un exercice de lecture. Lis le texte suivant. Citește texte următor. Julie va chez le médecin avec Nadine et le bébé. julia merge la medic cu Nadine și bebelușul. Le docteur examine le bébé. examine examinează bebelușul. L'infirmière pèse Nadine et le médecin vérifie ses oreilles. Doctorul examinează bebelușul, infirmiera o cântărește pe Nadine și medicul verifică urechile sale. Adică putem adapta în română și spunem îi verifică urechile. Ensuite, apoi, il ausculte Julie. El o auscultă, iată, acesta este corect și în limba română verbul, nu, nu spunem uh, ascultăm cu stetoscopul, ci auscultăm. O auscultă pe Julie. El a un gros brum. are o răceală puternică. El tus, ea tușește. Julie doar prendre de medicament. Julie, Iulia, trebuie să ia medicamente. Dans une semen, el sera... Într-o săptămână, ea va fi vindecată. Sinonim, le médecin, le doctor. Observe! On a introduit des personnes par ce chez. Când spunem, merg la părinți, je vais chez mes parents, merg la părinții mei. Persoanele le introducem întotdeauna prin acest chez, prin această particulă. Dacă introducem lieu, locuri, Je vais à la montagne. Je vais à la mer. Je vais à la campagne. À lieu, chez, personne. Voilà les parties du corps humain. Est-ce que vous connaissez déjà des parties du corps humain Vous déjà les parties du corps humain On a oui. le corps et la tête. Faites attention. Je vais toucher au satin la tête. La tête. Le cou. La nuque. La nuque. Chafa. Le dos. Le dos. Spatele. Les épaules. Umeri. Les épaules. La poitrine. La poitrine. Pieptul. Les bras. Brazzele. Le bras. C'est un bras ou deux bras, les coudes, les coudes quoi est, la main, les mains, les doigts, les doigts, le ventre, ça c'est le ventre, les jambes, pecteurul de sus jos, disons la jambe, pecteurul de sus pana jos, et en capot avem le pied là bas le pied, la jambe les jambes. Le pied. Les pieds. Les genoux. Les genoux. Le talon. Faites attention. Le talon a un double sens. Nous pouvons dire le talon, mais peut en aussi tocul, le talon. L'orteil. Voilà. Et les orteils. Les orteils sont les doigts de la pituar. Regardez un peu la tête. Vous pouvez regarder ma tête. Touchez, atteignez. Faites attention. Le visage. Le visage. Les cheveux. Les cheveux, oui, comme ça, très bien Patricia. Les cheveux, très bien. Tu peux ranger encore une fois tes cheveux Voilà, très bien. Le front. Le front. Où est ton front? Tout très bien. Le front, l'œil, les yeux, les yeux, ok. L'oreille, les oreilles. Où est qu'il qu est? Le nez, les narines. Votre nez a deux narines, très bien. La bouche, la bouche, les lèvres. Je vous donne un bisou avec mes lèvres. Moi. Les dents. Les dents. La langue. La joue. La joue. Les cils. Genelé. Les sourcils. Et finalement, le menton. Le menton. Faites attention ne pas confondre le menton et le manteau. Manteau, pantalon, menton, barbia. Très bien. L'orthographe. Écoutez et observez. Ça, c'est le son an. Le son an peut s'écrire am, m, jambe. A langue, sang, jambe. Samna. Qu'est-ce que c'est la jambe? Patricia? Piciorul. Piciorul, Trebuie. Picior. La langue? Limba. Trei bine. Et le sang înseamnă sângele. Le sang. E.M. Membre. Tang. Aceasta este o frecventă eroare în rândul începătorilor care ezită. Se pronunță tang. Nu se aude acest p și bineînțeles nici acest final. On pronunț tang, timpul. En, e en menton c'est le menton ventre et dans această ultimă formulare este interesantă este un fel de excepție de asemenea se greșește intens în cazul acesta pe un de exemplu se pronunță pam pan nu paon tendința este să pronunțăm astfel, însă pronunția corectă, excepțională în acest caz, este pan. De asemenea, fan. Cum putem face această diferențiere? De ce M și nu N? M suivi par B P M. Este asemănătoare cu regula din română, înainte de B și P se pune M. Asemenea și în franceză, însă avem o singură excepție. Iată, Aici este excepția în cadrul lui bonbon. Este o situație în care, înainte de B, avem N. Și uh, avem în centrul atenției sunetul On. Le son On pe se scrie Manton, Barbia, Front, Fruntea, Talon, Călcăiul. On, iată, altă reprezentare, OM, însă cu aceeași pronunție, On, nazal, în cuvântul Colomb, « Porumbița »,« pompier »,« pompierul ».« M » avant de « B » ou « P », toujours « M ». On écrit « on » lorsque la lettre suivante est « P » ou « B », sauf, voilà l'exception, « bonbon ».« Bonbona, est l'exception. « Avoir mal à »,« j'ai mal à »,« me doare »,« ce va »,« se Comment ça va Patricia, ne peux-tu pas tout l'heure ça va mal, ça va très mal, je suis malade. Où Où as-tu mal J'ai mal. J'ai mal. Au Au cou, à la tête. Oui. À l'estomac. À l'estomac, très bien. Aux yeux. Au Tout yeux. Dort, Lis, s'il te plaît. J'ai mal, partout. J'ai mal partout, me douleur peste tot J'ai mal au front Oui J'ai mal au nez Oui J'ai mal à l'oreille Oui J'ai mal au menton oh, Et j'ai mal à la jambe et j'ai mal à la jambe. J'ai mal partout. Ma douare peste tout. Ma douare tout le corps. J'ai mal au front. Ma douare fronte. J'ai mal au nez. Ma douare nasul. J'ai mal à l'oreille. Ma douare urechia. J'ai mal au menton. Ma douare barbia. J'ai mal à la jambe, au menton, à l'oreille, partout. Ça c'est partout. Peste tout. Les expressions à retenir j'ai mal à, vine d'in avoir mal à, Al la douare, tu vois. Avoir faim, ifi, foamé. Avoir soif, ifi, sete. Avoir froid, ifi, frig. Avoir chaud, ifi, calde. Je suis fatigué. Avoir sommeil, ifi, somme. Avoir sommeil. Fais attention. Tu peux commencer, Patricia. On a un exercice. La consigne dit, complète par le mot « convenable ». Complètez-le cu avec le mot convenable. Juliette est malade. Elle a mal à la tête. Traduit um, Juliette est malade. Elle a mal à la tête. Perfect. Tudor, continue s'il te plaît. Mireille a soif. Mireille a soif. Très bien. A... Elle voudrait... Elle a un verre d'eau. Un verre d'o. Lui Mirei este sete sau Mirelei îi este sete. Iar vrea un pahar cu apă. Continui, Patricia? Si tu ai faim, mange un sandwich. Très bien. Dacă ți este foame, mănâncă un sandwich. Continui, Tudor? Il met un gros pull. Il met un gros pull. Parce că il a... Își pune do. un pullover gros pentru că este... Il a froid. Laurent ah. veut dormir. Il a... Continue, Pat Patricia. Il a sommeil. Il a sommeil. Et finalement, quand j'ai... Je mange une glace tout d'or. Regarde. Ah, j'ai... Euh... Ça. Quand j'ai chaud, vie. très bien. Quand j'ai calme, je mange une glace pour amour de Les sens, la vue, les yeux. Lui... Les oreilles, le goût, la langue, l'odorat, le nez, et le toucher, la peau. Regardez un peu. Deux yeux pour regarder, deux yeux pour privi, une bouche pour goûter, une pentru pour goûter. Deux oreilles pour écouter, deux oreilles pour asculta, un nez pour humer, un pentru pour Et deux mains. Pour toucher, c'est pas très compliqué. Il suffit de ne pas mélanger. Nous n'est pas des locs compliqués. Ajoutez ça, nous mélangeons, suffisant. Regardez les verbes voir, regarder, à après à entendre, écouter, à ouzi, ascolta goûter, à gusta sentir ou humer, a mirosi, a simți. toucher, à atinge. Euh, ça, c'est un exercice un peu plus intéressant pour les adultes. Les cinq sens, si on veut enrichir notre vocabulaire. La cécité, orbira. La surdité, surzenia La gueusie, adiosia, sau pierdera de La nosmi, anosmia, sau de la miros L'anesthésie, la perte du toucher. L'amnésie, la perte de la mémoire, perdra la mémoire. Et finalement, la mutité, la perte de la parole, perdra la capacité de parler, Quelques exercices. Associe le bras, la tête, le tronc, les membres. Vite, Patricia. Les membres. Très bien. Continue. Le dos. Tout d'or. « Le dos, les membres. Le dos, est-ce pas? Le tronc. Le genou. Les membres. La jambe, tout La jambe, euh, les membres. Très bien. La joue, Patricia. La tête. La main, Patricia. Les membres. Voilà. Et la bouche, tout La tête. Très bien. Le nez, vite, Patricia. La tête. L'oreille, tout La tête. L'oreille. Hop. La poitrine. Le tronc. Le ventre. Le tronc. C'est le tronc. Burtica. Le ventre. Le visage. La tête. Très bien. Le pied. Le membre. Très bien et les yeux patricia la tête hop comme ça vrai ou faux le nez se trouve au milieu du visage patricia c'est tout pour toi vrai les pieds ont des oreilles pi oh. la l'épaule relie le bras au tronc ou la bra le la poitrine est entre le cou et l'épaule. Pietul este între gât și umăr. la poitrine c'est faux. On va laisser les autres exemples. Voilà les réponses. Aussi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. On se voit à la prochaine séance et n'oubliez pas de sourire à la française. Au revoir. Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor.